Salutations mes amis. Ceci est une carte du Timor oriental. Située entre l'Asie du Sud-Est et le Pacifique Sud, l'île de Timor est la plus grande des petites îles de la Sonde. Située dans l'archipel malais, l'île est entourée par les détroits d'Ombay et de Wetar, la mer de Banda, plus agitée, au nord, et la mer de Timor, plus calme, au sud. Le Timor oriental partage l'île avec l'Indonésie, ce qui sépare la majeure partie du pays de l'enclave de Kus. L'île d'Ataro est située au nord du continent. La quatrième zone étant la petite île de Jaco. La mer de Savu est située au nord de Kus. Le pays mesure environ 265 km de long et 97 km de large. Avec une superficie totale de 14 874 km², le littoral du pays couvre environ 700 km, tandis que la frontière est la principale frontière terrestre avec l'Indonésie. Fait 125 km de long et la frontière terrestre de Kus fait environ 100 km de long. Il y a des frontières maritimes avec l'Australie au sud et l'Indonésie ailleurs. Le Timor oriental possède une zone économique exclusive de 77 051 km². Excusez-moi. Veuillez commenter le Timor oriental. Continue. L'intérieur du pays est montagneux. Avec des crêtes de montagnes volcaniques inactives qui s'étendent sur toute la longueur de l'île. Près de la moitié du pays présente une pente d'au moins 40%. Le sud est légèrement moins montagneux et présente quelques plaines près de la côte. Le point culminant est Atameilo, également connu sous le nom de Mont Ramelo, à 2963 mètres. La plupart des rivières s'assèchent au moins partiellement pendant la saison sèche. En dehors de certaines zones côtières et vallées fluviales, le sol est peu profond et sujet à l'érosion. Et sa qualité est médiocre. La capitale, la plus grande ville et le port principal est Dili, et la deuxième plus grande ville est la ville orientale de Boko. C'est tout pour le moment. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour les meilleures cartes et pour l'amour du Timor oriental. Adieu.